Tu ne sais pas où acheter tes crédits ou tes items Rocket League. Ah ouais, c'est vrai, il n'y a plus de trade. Je peux plus faire la promo de sites qui revendent des objets ou des crédits sur Rocket League. Tu veux soutenir la chaîne qui présente toutes les actualités de Rocket League et qui aborde d'autres sujets? Je t'invite à devenir membre de cette chaîne en cliquant sur le lien dans la description. Tu auras accès à différents avantages. On est parti pour une toute nouvelle vidéo et j'ai pas mal de butins à ouvrir, alors on va se faire un petit pack opening. Juste avant que la vidéo commence, je tenais à vous remercier d'être toujours aussi présent sur la chaîne, ça fait vraiment super plaisir. Merci à tous les fidèles et bienvenue à tous les nouveaux. Je voulais juste vous dire merci pour tous vos commentaires, vos likes. Voilà, c'était le petit instant mignon. Donc on a 8 butins peu courants, 24 butins rares et 6 butins très rares. J'avais oublié de faire le butin importé de la saison 12. Vous savez, quand on termine les défis, j'avais pas beaucoup joué durant la saison 12. Donc là, malheureusement, il n'y a plus de trade. Alors on est obligé d'avoir un bon item qui sera jouable en game. Et on commence tout de suite avec un truc hyper moche. Deuxième pack, encore du peu courant. Ça sera bon pour le trade-up parce que vous savez, il n'y a plus de trade. Alors on est obligé d'avoir un bon item. C'est fou en vrai. Ça manque quand même le trade. Je sais pas si ça vous manque également. Là, on a une petite bouée. C'est pas ouf. La saison 13 a commencé il y a pas longtemps et franchement, on est beaucoup à être déçus de cette saison. En vrai, j'en fais partie. Je ne sais pas vous. Quatrième pack, encore du peu courant, ça annonce bon pour ce pack opening. En tout cas, moi je joue un peu à RL Racing, je sais pas ce que vous en pensez, il y a beaucoup de commentaires comme oh, Fennec explosion tranchante, bon c'est pas mal mais je crois que je l'avais déjà donc ça va nous servir à rien. Ouais c'est sympa RL Racing mais je trouve pas ça exceptionnel. Casquette de police, je savais pas que ça existait, je sais pas si je l'ai. Donc là on a 24 butins rares. Et vous avez vu aussi, je sais pas si vous avez vu ma vidéo, il y a le pack diesel qui est disponible, 3900 crédits pour le pack diesel. C'est une voiture qui est également disponible dans Fortnite, et en gros ça fait environ 35 euros, casque à bière, d'accord. C'est également, on peut aussi l'acheter sur Fortnite et c'est combien? C'est 4000 V-Bucks et ça revient aussi à 30 euros, quelque chose comme ça. Sauf que sur Rocket League ils sont forts, ils ont... Famille, on peut pas acheter 4000 crédits direct, on achète 3000 crédits plus 1000 crédits, non plus 1500 crédits, donc ça revient à 35 euros pour ce pack, c'est juste énorme et il faut s'attendre à des trucs comme ça. On discute un peu parce que là on a que des trucs nuls, je réagis même pas, là on a du très rare, ça pourrait être bien pour le trade-up, une petite vidéo trade-up, n'hésitez pas à me dire si ça peut être intéressant. Il nous reste 17 butins rares. On va se faire toutes les petites... Oh, ça aurait été sympa en blanc titane ionique. On va aussi se faire une autre actualité. C'est le tweet de Rocket League. Oh, du très rare. Metallic List, d'accord. Ils ont dit qu'ils travaillaient sur des mises à jour, tout ça. Qu'il y aura bientôt une annonce pour les RLCS. Qu'il y aura des nouveautés sur Rocket League. Et honnêtement, ça va faire du bien. Comme j'ai dit juste avant, la saison 13... Elle est catastrophique, hein. Il n'y a aucune nouveauté, les voitures, j'ai vu personne avec dans les games. Et je ne connais toujours pas l'hitbox, ils l'ont pas dit. Donc si quelqu'un l'a dans les commentaires. Ok, des roues rares. Bon, en tout cas, c'est vraiment nul hein, ce qu'on a. Il nous reste 12 butins. Encore du rare. Qu'est-ce qu'on peut se raconter d'autre? Bah, ça aussi, j'en ai parlé dans une vidéo. Mais comme ça, on fait un résumé dans cette vidéo. Il y a une grosse perte financière pour moi avec la fin du trade vu que du coup je peux plus être sponsor par AOEA vu qu'il n'y a plus de trade, ils peuvent plus donner les items, vous vous en doutez, de l'importer, d'accord. Donc il reste plus que les revenus YouTube et franchement en ce moment c'est vraiment pas fameux. Ok, 9 butins rares. J'avais envie de vous remercier hein, pour quand même tous vos commentaires, tous vos likes. Je sais qu'un jour, on sera beaucoup plus sur la chaîne. Enfin, je l'espère. Voilà. Alors, encore du rare. Donc, on lâche pas. Et j'aime ce que je fais. C'est le principal. C'est pour ça que je continue. Honnêtement, j'aurais pu arrêter. Hein. Là, en novembre-décembre, on a fait quoi? On a fait 110 euros. Avec YouTube. En 2 mois. Alors qu'avant, avec AOE, on faisait... En comptant revenus YouTube et AOEA, quand ça marchait bien, c'est-à-dire au début de l'année, tout ça,
On était à 600, 700, 800 euros. Enfin, début de l'année jusqu'à juillet-août. En vrai, c'est depuis la fin du trade. Hein. C'est vraiment depuis qu'Aweon ne sponsorise plus les vidéos. Ensuite, on a quoi? Des roues rares. Bon, là, c'est vraiment éclaté. Hein. Heureusement qu'on discute. Enfin, on discute, je parle tout seul plutôt. Ensuite, on a de l'importé, Hypernova. Quel va être le titre de la vidéo? On discute avec un pack opening éclaté. Ok. Je pense pas que je vais mettre éclaté dans le titre, sinon vous n'allez pas cliquer sur la vidéo, je vous connais. Bah moi non plus, j'aurais pas cliqué, figurez-vous. Ok, les spinners. Bon, on va finir avec des butins très rares. 6 butins très rares. Bon, allez, du lourd, on veut. Du très rare, d'accord. Perle nous disait, bon, c'est la 7e fois qu'on l'a. Ça servira dans les trade-ups. Ça fait mal au cœur de dire ça. Encore du très rare. Les vortex en bleu ciel. On va se mettre sur butin très rare. Comme ça, on va avoir du lourd, de l'exotique. Non, de l'importer. Waouh, la pire voiture du jeu. Ça serait cool une petite. Ah bah non, du coup, on peut même plus revendre. J'allais dire une Dominus blanche. Mais j'ai toutes les voitures. Une petite Octane colorée. Honnêtement, ça pourrait être utile. Enfin, j'ai toutes les voitures Dominus blanche, noire, Fennec blanche, noire. Et Dominus pointillé en parlant de la voiture. Bon, le dernier pack de cette vidéo un peu catastrophique, je trouve. Est-ce qu'on va avoir du lourd? Je n'y crois pas trop. Et non, on aura du très rare pour terminer cette vidéo. Chakram, d'accord, roue très rare. Voilà, j'espère que ça vous aura plu quand même. On n'a rien eu. On n'a vraiment rien eu. Je ne sais pas comment conclure cette vidéo, c'était nul. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.